on est ici dans les locaux de l'électricité Weit avec Emmanuel Weit, le gérant de la société. Donc, bonjour, merci. Bonjour. Et à côté de notre iStorage 001, donc la première installation qu'on a fait. Merci d'avoir, Monsieur Weit, d'avoir nous avoir fait confiance pour cette première installation. Et peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé de passer aux armoires connectées de chez nous. Bonjour, donc pourquoi je suis passé à ces armoires connectées? On avait systématiquement des conflits entre mon magasinier, mes différents monteurs, sur la donation de tout ce qui est outillage. On n'avait pas un vrai reporting sur ce qui avait été consommé réellement. À un tel point que j'ai certains de mes monteurs qui commençaient à acheter leurs outillages eux-mêmes, qui n'étaient pas forcément de la meilleure des qualités. Justement pour éviter ce conflit, donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver une solution simple, sans intervention humaine forcément également, donc où ils pourraient se servir à leur convenance, tout en ayant un reporting derrière et en sachant pertinemment ce qu'ils allaient prendre, ce que chaque personne allait prendre, combien ils allaient prendre, et qu'en fin d'année on puisse faire le bilan avec les uns et les autres et comprendre comment tout ça est utilisé. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà les premiers retours depuis que le système a été mis en place? Donc là, pour l'instant, c'est relativement frais. Hein, donc ça date d'il y a 2 mois. Il y a eu les congés d'été entre-temps. Mais en gros, voilà, dans le bâtiment, quand on n'a pas de retour, habituellement, c'est que ça se passe plutôt bien. Oui. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment de retour. Je vois que mes monteurs, ils viennent, ils se servent. Il n'y a pas la queue non plus devant l'armoire. Donc ça m'a l'air plutôt convaincant pour l'instant, on continue et ça se passe vraiment bien. Oui, c'est aussi l'intérêt de ce type d'armoire, la simplicité, justement pour que les ouvriers, ils n'ont pas beaucoup de manipulations à faire pour retirer la marchandise. Oui, c'est ça, donc voilà, avec un simple petit badge, ils badgent leur... ils badgent, ils ouvrent. Et là-dedans, ils peuvent se servir voilà, comme ils veulent. J'ai un reporting derrière sur l'écran, sur tout ce qu'il y a. Une fois par semaine, je reçois un fichier avec l'ensemble des consommations. Comme une autre armoire, comme une autre solution. Donc, il n'y a rien qui change. Il y a juste un petit contrôle derrière qui est plus que bien pour moi. Qui est rassurant, pour vous et je dirais qui responsabilise en même temps aussi Exactement. Les équipes. Ouais. Exactement. Donc, maintenant, quand ils prennent, en fait, ce qui est assez surprenant même, c'est que j'ai une consommation qui diminue sur certains produits. Donc, je me dis qu'ils font sûrement plus attention maintenant. Ouais, ça, c'est aussi un des objectifs avec les armoires connectées. Exactement. Bon, super. Bon, en tout cas, merci encore une fois, M. Weit, pour votre confiance et j'espère que ça vous accompagnera dans la gestion de votre entreprise et de vos équipes. J'espère. Et ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, pas de souci. Merci. Merci.